BTS GPME, donc BTS Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise, est une formation qui dure 2 ans, qui peut se faire soit en formation initiale, soit en formation en alternance. Le BTS GPME forme des professionnels qui vont coopérer de manière directe avec le dirigeant d'une très petite ou moyenne entreprise. Donc l'assistant de gestion est un collaborateur polyvalent qui va prendre en charge différentes tâches dans différents domaines, la gestion commerciale, administrative et comptable. Donc là ici vous allez travailler en groupe sur l'événement, organiser un événement interne, et ici on organise un séminaire. L'assistant de gestion sera amené à travailler dans 2 grands types d'activités, les activités de support au fonctionnement de la PME et des activités d'aide à la prise de décision. Ça va lui permettre d'améliorer l'organisation, l'efficacité, la rentabilité et l'image de l'entreprise. Voilà, alors là ici, ça c'est plutôt les méthodes que l'on va mettre en place par le chef d'équipe, par le chef d'entreprise. Les méthodes dites de coordination et d'entente entre les salariés. L'enseignement au sein du BTS Gestion de la PME est scindé en 2 pôles. Un pôle qui va être plutôt général et le 2e pôle plutôt professionnel, avec l'ensemble des matières concernant la gestion administrative, commerciale et comptable, également la gestion des risques et une partie de la gestion des ressources humaines. Enfin, il existe une dernière matière qui est vraiment importante dans ce BTS, qui est la communication. C'est une matière support à toutes ces matières professionnelles, donc la communication orale et la communication écrite, qui va nous permettre de former correctement le futur gestionnaire dans ses missions. Pour acquérir et approfondir les connaissances professionnelles, on va les mettre en pratique au travers des stages effectués au cours des 2 années, mais également au cours des ateliers professionnels. Les ateliers professionnels nous permettent de faire des simulations entre équipes pédagogiques et étudiants, mais également d'inviter de nombreux professionnels pour qu'ils viennent partager leur expérience et leur cursus auprès de nos étudiants. J'ai choisi de faire ce BTS parce que c'est un BTS qui est très polyvalent et ça pouvait m'ouvrir plein de portes. Et aussi pour ma poursuite d'études, j'étais un peu intéressée pour ouvrir une entreprise toute seule. Et la gestion, c'était la meilleure solution pour moi. J'ai trouvé un moyen de mettre en application tout ce que j'ai appris durant mon BTS. Donc il y a forcément les stages, mais on a aussi des missions qui nous ont été envoyées par le Secours Populaire. Donc c'est le lycée qui est en partenariat avec eux. Et donc dans ces événements caritatifs, on peut faire de l'accueil avec les visiteurs, on va les orienter, on va faire de la vente, de la facturation, toutes ces des connaissances qu'on a apprises au BTS. Après un BTS gestion de la PME, il faut savoir que tout est possible. Les étudiants peuvent soit décider de s'insérer directement dans le monde professionnel ou alors poursuivre leurs études vers une licence générale type licence de gestion des organisations à l'IAE ou sur une licence professionnelle plus spécifique. Alors le profil de gestionnaire de la PME est un profil qui est très recherché puisqu'il correspond au tissu économique français. Les PME cherchent justement des salariés qui vont être polyvalents et donc nous formons justement nos jeunes à cette polyvalence.